Alors juste avant de commencer, petit dédicace à Lucas, Clash Royale, petit dédicace. Et aussi petit dédicace à Le Chaton Fâché du 93, petit dédicace. Alors juste petit dédicace au clan hashtag Matuidi Charol. Donc son hashtag c'est RGPVG9Y. Voilà. Donc du coup, petit dédicace. Alors juste vraiment avant de commencer, un petit imprévu, donc petit dédicace à DragonMi49 et aussi petit dédicace à Zidar qui me l'a demandé. Donc voilà, petit dédicace. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque jour contre Zello FTV. Bon, FTV oui. Alors petit sourire, petite bonne chance, comme d'habitude. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre, allez, du PK, on est des fous, on est comme ça. Alors ce deck, comme d'habitude, n'est pas à moi. Alors ce deck est à, attends, juste deux secondes, on se prépare. Est à Martin Wintze. Bon, ça fait un petit peu bizarre comme ça. Au pire des cas, on peut dire on retente sa chance. Alors, pourquoi pas Martin Windsor. Pas mal comme ça. Non, franchement, c'est pas dégueu. Ça fait bien comme ça. Oh, oh là 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 là. Ça, ça fait mal par contre. Ça fait mal ça. Ça fait très mal ça. Et on va mettre ça. Peut-être que ça va fonctionner, s'il te plaît. Allez, plus vite là, les gobelins. Là, mes deux. Espèce d'enfoiré. Il m'a tué mes gobelins. Mais non. Vas-y, plus vite là, plus vite. Vite! Ah, oh, mais regarde-moi ce bombardier là qui a. Espèce d'enfoiré. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Enfin, j'y crois même pas à ce que je dis, mais bon, on va y arriver quand même. Voilà, quoi. C'est pas parce qu'on a eu un problème dès le début que forcément. Ça va être compliqué. Attendez. Oh! Comment j'ai eu trop de la chance? Allez. Non, il roule, le cochon! Vas-y, tue-le. Ouais, oh, il l'a tué à distance. Oh, le mec, c'est un télépathique, il l'a tué à distance. Truc de malade, regardez. Non, génial. Bon, ça va, on n'a pas tout perdu. On peut y arriver. Genre, j'y crois même pas, mais on peut y arriver quand même. Si on a de la chance un petit peu, peut-être qu'on peut y arriver. On sait jamais, si on défend suffisamment bien. Bon, allez, on va y arriver, c'est moi qui vous le dis. Enfin, j'espère. Ah là 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 là. Je sais qu'il a sort de zap. Et je sais que ça peut mal finir pour moi. Non, s'il te plaît, tu joues à la flèche sur les tours. Non, mais s'il te plaît. Oh, commence pas comme ça, mon petit, hein. Attention, hein. Moi, je risque de m'énerver, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on va envoyer ça. Je sais même pas pourquoi. On va envoyer le PK. Allez, pourquoi pas. On va essayer d'envoyer ça. Ouais. C'est bon. Attention, c'est mon seul espoir, hein. Le cochon gèle. Oh. Oui. T'as le seum, là, hein. Et je parie qu'il a tiré ma tour, il a tiré quelque chose sur ma tour, c'est obligé. T'as vu le peu de points de vie qui reste? Il a dû tirer, je sais pas moi. Attends, juste deux secondes, on va faire ça. On va se faire défoncer, les gars. On va se faire exploser, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, il y a moyen quand même de tuer. Oui. Oh. Oh ouais, mais attends. Non, ça fait pas ça. Non, ça me fait pas rire ça. Vas-y, tue-le. Allez. Merci. Oh là 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 là. Ça va être compliqué là. Pouh. Bon allez, on envoie ça, je sais pas ce qu'on va faire de plus, on va peut-être envoyer du sort de gel. Sinon moi j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé, enfin si j'ai le choix, mais si je veux gagner, j'ai pas le choix d'utiliser ça. Hein. C'est bon? Ça va? C'est pas dégueu! Oh! Oh! Comment t'as trop le seum? Mais comment, je suis trop un enfoiré! Mais tu m'étonnes que t'aimes bien ce deck, mais c'est un truc d'enfoiré ce deck. Putain, moi j'ai jamais aimé le sort de gel, jamais j'ai aimé. C'est pour ça que j'utilise pas souvent, parce qu'après j'ai des remords et ça me saoule. Donc ouais non, j'aime pas le sort de gel. J'aime pas ça. Mais ouais, franchement, y a rien à dire, hein. Le sort de gel, ça peut te sortir des... Même avec des troupes toutes pourries, mais vraiment nul de chez nul, tu peux t'en sortir quoi, si t'as un sort de gel. Bon après voilà, tu peux pas toujours t'en sortir, parce que bon, y a toujours des moments où tu vas te faire exploser, bon voilà, ça arrive, hein. Mais y aura toujours moyen quand même de s'en sortir avec le sort de gel, au dernier moment, juste ouais, tu gèles au bon moment, juste qu'il faut, les troupes elles font du dégât, et puis hop, c'est fini quoi. Non mais bon, c'est un truc de fou. Bon, attends, surtout sur les troupes de masse. Alors là, tu peux te faire plaisir, c'est moi qui te le dis. Mais oui, franchement, non. Hein, moi, je j'utilise pas trop ça. La preuve, hein, vous avez vu, hein, y avait aucun moyen que je gagne. Là. Enfin, je sais pas, j'étais perdant dès le début. Ça se voyait que j'avais pas la force de gagner. Et mais juste le sort de gel, juste ça qui change tout. Là, y aurait pas le sort de gel dans le deck, y aurait pas le sort de gel.
Ah, je sais pas si j'aurais gagné, hein. Peut-être le sort de rage à la limite qui aurait pu m'aider, et encore. Mais bon, en attendant, on s'est fait une bonne petite attaque du jour, et franchement, la surprise de ouf, on a bien gagné comme il faut. En attendant, je pense que je vais essayer sur ce, hein, voilà. Donc il y a un petit deck plutôt sympathique, mais pas très sympathique. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt méchant, voilà. Donc c'est sympathique d'y jouer, mais quand t'es dans l'autre sens, tu vois, c'est pas trop sympa. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool !